Bonjour à tous et bienvenue sur la Deus TV. On se retrouve pour ce 11e épisode sur le let's play de Factorio. Alors, comme d'habitude, petit tour du propriétaire parce que il y a pas mal de choses qui ont changé. Comme d'habitude, j'étais en manque de fer, donc je me suis rajouté deux lignes de chemin de fer qui m'acheminent du minerai qui provient de. Ah, je vais vous montrer ça tout de suite. De cette grosse plaque que j'exploite donc au maximum. Et qui me fournit donc ces deux trains. Au début, j'avais fait un seul train avec quatre wagons, ce qui explique la présence ici de bras de chargement, etc. Mais que je viens de modifier et de désactiver, on va dire. Donc pour ne pas perdre le minerai, pour pas le stocker dans mon inventaire, je le rapatrie dans ces bras de chargement. Et une deuxième voie qui alimente ici un deuxième train. La plaque étant assez grande, du coup, j'exploite deux trains à la fois. Pour exploiter ce minerai, j'ai rajouté deux lignes de four électrique, donc ce qui m'évite d'acheminer du charbon. Et vous voyez, donc cette ligne ici alimente cette ligne de four, et cette ligne qui est là alimente cette ligne de four. Et le tout, bien sûr, est rapatrié sur le main bus. Alors c'est toujours un peu la galère à ce niveau-là. Cette voie-là commence à être quasiment inutile. En effet, elle l'amène à la mine de fer 1. Alors pour rappel, il y avait du minerai là. Vous voyez, il y a encore tous les poteaux et tout ça. Donc la plaque est terminée, donc il n'y a plus rien à exploiter. Donc il reste que cette petite plaque sur laquelle il n'y a pas grand-chose. Même si j'arrive à remplir les coffres. Donc pour l'instant je continue à essayer de la terminer, mais il faudra bientôt que je renvoie le train vers une autre destination. Enfin, qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Eh bien écoutez, pas grand-chose, si j'ai rajouté une deuxième turbine, un deuxième réacteur nucléaire, et j'ai rajouté bien sûr des échangeurs de chaleur et des turbines à vapeur supplémentaires puisque je commençais à être en rade d'électricité, sachant que mon petit système d'alarme que je vous ai présenté la dernière fois fonctionne à merveille. Ça m'avertit quand évidemment je suis en manque de production d'électricité, l'usine thermique prend bien le relais derrière, enfin dans l'absolu tout fonctionne très bien. Voilà, alors dans l'absolu maintenant, ce que j'aurais voulu faire, c'était me lancer sur la logistique. Alors la logistique, ça va nécessiter des moteurs électriques, donc j'ai d'ores et déjà mis ici deux usines de lubrifiants qui vont transformer le pétrole lourd donc en lubrifiant, donc ça a commencé déjà un petit peu à produire. J'ai mis un système logique ici, vous voyez, il y a un fil rouge qui vient de ce réservoir qui indique le niveau du lubrifiant qui arrive jusqu'ici sur cet interrupteur qui gère donc cette ligne, enfin, en l'occurrence cette usine là qui me transforme le pétrole lourd en pétrole léger. Et si je dis que si j'ai pas assez de lubrifiant, eh bien tu ne transformes pas le pétrole lourd, grosso modo tu le laisses pour les usines de lubrifiant. Si j'atteins un certain seuil, en l'occurrence 20 000 de lubrifiant, ça s'active et je retransforme le pétrole lourd en pétrole léger. Du coup, ici, pareil, si le pétrole léger monte à un certain niveau, c'est-à-dire au-dessus de 15 000, donc ici j'ai 7005 et 7005, donc en tout ça fait 15 000, j'ai connecté les deux réservoirs entre eux à l'interrupteur, eh bien ça active cette barre d'usine. Donc ayant mis en place le lubrifiant, maintenant je n'ai plus qu'à faire une usine de moteur électrique qui nécessite donc un élément de moteur classique, deux circuits électroniques et du lubrifiant. Par chance, j'ai mon usine de moteur qui est ici, donc j'ai déjà tous les éléments qui arrivent, les tuyaux, les engrenages et l'acier. Celle-ci, on va la laisser pour remplir les coffres ici dont j'aurai besoin pour faire d'autres trains, etc. Et on va faire une nouvelle ligne. Alors, j'ai pas calculé exactement combien je vais avoir besoin de moteurs électriques. Je pense qu'une ligne de 6 déjà devrait suffire pour le moment.
reste à voir ce que maintenant je vais en faire. Donc le moteur électrique vont me servir à faire des châssis de robots et il me faudra également des batteries. Alors le seul inconvénient c'est que les batteries sont fabriquées un petit peu loin d'ici. Je m'étais fait une petite usine, voilà, elles sont là. C'est pas si loin que ça, c'est en face en fait. Quasiment, ouais, c'est quasiment en face. Alors, est-ce que j'amène les batteries jusque là ou est-ce que ce sont les moteurs électriques que j'achemine? Ce sont pour les châssis. Il me faut deux batteries, un moteur. Il me faut également de la plaque d'acier et du circuit électronique. Je vais réfléchir un petit peu à la question, voir où je vais vraiment placer tout ça. Il y a toujours cette plaque de cuivre qui m'embête un peu parce que j'aimerais la conserver. Je ne voudrais pas construire dessus. Et ici j'ai pas mal de place. Donc j'ai également doublé la production de circuits rouges. Je commençais à être un petit peu limite. Et dernière petite chose également que j'ai automatisé, c'est la production donc des postes électriques. Ici. Puisque c'est tout à fait semblable à la réalisation des poteaux. Sauf qu'en plus, effectivement, il faut du circuit rouge. Donc ça, ça m'évite également d'avoir à en crafter à la main. Et donc, je réfléchis un petit peu à la manière de réaliser les châssis de robots. Je vais regarder ce dont j'ai besoin également pour les robots. Je crois qu'il y en a avec des circuits verts et d'autres avec des circuits rouges. Voilà, c'est ça. Donc du châssis, du circuit vert, du circuit rouge. Donc, il faudrait que je sois pas très loin de là. Je pense que je vais fabriquer ça par ici. Donc ce sont les batteries que je vais faire descendre ici le long. Et je vais en profiter pour remonter les moteurs électriques. On va essayer de faire ça proprement. Allez, à tout de suite. Alors voilà, les usines de châssis sont opérationnelles. Par contre, effectivement, j'avais oublié que ça mettait 20 secondes à fabriquer un châssis. Ça veut dire que ça met 20 secondes plus là, le temps de fabrication d'un robot, donc 0,5, donc on va dire que c'est négligeable. Donc 20 secondes pour un robot, que ce soit de construction ou de logistique. Là, j'en ai 4, ça fait un robot toutes les 5 secondes. C'est assez peu. Donc, on va doubler le nombre d'usines. Ce sera beaucoup plus simple. Je vais chercher des éléments supplémentaires.
voilà, j'ai mes usines de châssis qui fonctionnent, donc maintenant il n'y a plus qu'à les répartir vers des usines qui vont fabriquer les robots. Donc j'aurai besoin de beaucoup de robots de logistique et de pas beaucoup de robots de construction. Du coup, il va falloir que je fasse une répartition. Soit j'utilise un système logique, ce qui serait peut-être plus propre qu'un échangeur. Je pense que je vais faire ça, on va dire 1 pour 5, quelque chose comme ça. 1 pour 6, si j'utilise des échangeurs, là je divise en 2, donc là je divise en 4. Là j'ai divisé en 4. Donc on va dire que là je divise en 6. Voilà, je vais avoir 6 sorties différentes. 6 qui 5. Qui vont aller vers la même. Et 6, le sixième qui va aller vers d'autres usines. On va mettre. Je pense que deux usines devraient suffire, ça construit très très vite. Et donc là, il va me falloir du circuit pour ceux dont j'ai le plus besoin, du circuit rouge. Ça, c'est facile à attraper. Donc ils vont fabriquer du robot logistique. Qui va arriver dans un coffre. Et donc l'autre usine va utiliser du circuit vert. Du coup, je pense que je vais en mettre qu'une seule, ça devrait suffire. La sortie de ce côté. Voilà. Et une alimentation. Voilà, la fabrication c'est bon, on va centraliser ça comme d'habitude dans les coffres. Ouais. Du coup je devrais bien avoir un taux de 6 pour 1. À peu de choses près, je pense que c'est ça. Le répartiteur là est peut-être pas exact, mais bon. Je pense que ça doit donner à peu près ça. Là effectivement c'est très très long à fabriquer, hein. 20 secondes. Je sais pas si je vais pas devoir à un moment augmenter ça. Après en même temps j'en ai pas besoin tout de suite des robots de logistique. Malheureusement je me suis aperçu qu'il me manquait des recherches pour avoir vraiment l'ensemble de la logistique, à savoir les coffres. Donc les coffres bleus qui vont être très très important, les violets beaucoup moins, mais les bleus sont, je pense, absolument, enfin en tout cas, essentiels. Du coup, il va me falloir les potions de recherche violettes et les jaunes. Donc ça, c'est ce que l'on fera très rapidement, c'est-à-dire dès le prochain épisode.
Comme ça, pendant ce temps-là, ça laisse le temps à mes usines ici de construire et de fabriquer les petits robots. Je sais pas si je vais pas rallonger un petit peu ça quand même. Ouais, j'ai les usines en plus, j'ai les machines qui sont prêtes, donc on va le faire. Ça coûtera pas grand chose. Ça fera sûrement gagner du temps. De toute façon, après, une fois que c'est plein, bien, ça me posera, ça ne consommera pas plus que nécessaire. Voilà, c'est très rapide à installer. Voilà, on se fait 2, 4, 6, donc 12. Là, on répartit 1 pour, donc 5 d'un côté et 1 de l'autre, donc 1 pour 6. C'est à peu près le taux que je voulais. Je peux les prendre dans mon inventaire puisque j'ai déjà un petit robot par personnel qui peut gérer jusqu'à 10 robots. Donc ça, ce sera bon. Du coup, quand je poserai des blueprints ou des choses comme ça, ils pourront bosser. D'ores et déjà, ce sera fait. Là, j'avais les sorties pour le cuivre, le circuit vert et le plastique pour les usines d'électronique rouge. Je traverserai ici, c'est pour ça que j'ai laissé de la place. Je pourrais traverser tout ça et refaire de l'autre côté. Il n'y aura pas de souci, je pourrais prolonger si vraiment il y a besoin, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être vraiment nécessaire. Par contre, les moteurs électriques, je crois que j'en ai besoin pour des potions de recherche, voilà, pour les violettes. Étant donné qu'a priori j'avais l'air vraiment d'en construire beaucoup, puisque déjà ça stack à mort là, je pourrais les utiliser pour mes potions de recherche, et à partir de là, je pourrais commencer à calculer effectivement un ratio, et un vrai ratio d'usine de moteurs électriques par rapport aux usines de potions. Voilà, et bien le programme est déjà prêt pour la prochaine fois. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao ciao.